Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre Renouveau Télé, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Nous avons un plus du nombre des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou survenue le jeudi dernier. Après plusieurs jours au chevet des victimes à Raous, les services techniques du gouvernorat de la région de Tombouctou dénombrent 407 rescapés et une centaine de morts. La ministre de la Santé et du Développement social a également communiqué des chiffres que vous en saurez dans cette édition. Le trafic aérien perturbé aujourd'hui à Tombouctou à la suite d'une attaque à l'obus sur l'aéroport. Sky Mali, seule compagnie commerciale sur la ligne, a dû annuler ses vols. Le Mali célébrera dans 11 jours son 63e anniversaire. La fête nationale sera organisée par les communes. À la mairie de la commune 6 du district de Bamako, une commission d'organisation est à pied d'œuvre pour offrir le meilleur spectacle possible à la population. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Plus de 5 jours après l'attaque cruciale des terroristes contre le bateau Tombouctou, on a désormais les premiers chiffres de ce drame. Selon les informations recueillies auprès du gouvernorat de la région de Tombouctou, on a enregistré 407 rescapés, une centaine de morts et des disparus. Les évaluations continuent avec les services techniques de la compagnie malienne de navigation fluviale Comanav. Le point avec notre correspondant depuis Tombouctou. En effet, dans un communiqué de salut de communication du gouvernorat de la région de Tombouctou, l'équipe sur place à Raous a terminé l'évaluation de la destination finale des 407 rescapés transportés à Raous par les soins de l'administration en étroite collaboration avec la société civile. Il reste à faire la situation de décès et de disparus. L'exploitation du cahier d'embarquement est en cours en collaboration avec les services de la Comanav. Déjà, les autorités ont transmis les premières situations aux autorités supérieures tout en souhaitant leur appui pour le transport en toute sécurité des rescapés, chacun à sa destination. Pour ce qui est de l'alimentation, le comité du Croix-Rouge international, CICR, avait pris les 3 premiers jours en charge. Et à partir de demain, Inch'Allah, la Croix-Rouge malienne prendra le relais. Des contributions de toute nature sont parvenues au comité régional des crises et des catastrophes, du riz, de médicaments, des kits de dignité, des nattes, des couvertures, etc. Le week-end a été marqué par plusieurs réunions au gouvernorat sous la présidence du chef de cabinet du gouverneur. La ministre de la Santé et du Développement social a tenu un point de presse tout à l'heure sur la situation des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Si le colonel Hassan Badialo Touré n'a pas communiqué le nombre de morts, elle confirme le nombre de rescapés déjà donné par le gouvernorat de Tombouctou. Elle s'exprime ici au micro de Oumougakou et Gabriel Keïta. Notre pays a été victime d'une attaque terroriste le 7 septembre 2023. Sur le bateau Tombouctou, reliant Tombouctou, Gao, Tombouctou et Mopti, entraînant des pertes en vies humaines, de nombreux blessés et des dégâts matériels très importants. Je voudrais tout d'abord, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du premier ministre, chef de gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, au nom du président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, au nom de tout le gouvernement et de toute la nation malienne, adresser mes condoléances aux familles et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Depuis la survenue de l'événement, en fait, les autorités ont tout mis en œuvre pour la gestion de la situation en collaboration avec les autorités à différents niveaux, avec les communautés et avec les partenaires. Des mesures ont été prises pour l'évacuation et la prise en charge de tous les blessés au niveau de Gao et au niveau de Gourmararos. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les communautés, surtout les communautés riveraines, pour avoir apporté le secours, pour leur hospitalité envers ces victimes. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui le 11 septembre 2023, nous comptons
407 rescapés au niveau de Gourmararous, 21 blessés pris en charge à l'hôpital régional de Gao. Et pour les personnes décédées, les investigations sont toujours en cours pour faire le compte et donner un bilan définitif. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises afin que ces rescapés puissent regagner leur localité dans la plus grande sécurité. Et je voudrais, au nom de toutes les autorités, rassurer ces populations que d'autres mesures seront prises pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. D'après des informations concordantes, l'aéroport de Tombouctou a été visé encore ce matin par des obus au moment où les passagers de la compagnie Sky Mali embarquaient pour Bamako. Ils ont été obligés de se réfugier dans un bunker construit par l'aménagement. Le vol a été aussitôt annulé. C'est la troisième fois que des individus non identifiés lancent des obus sur l'aéroport de Tombouctou. Et ce communiqué dont voici le libellé pour vous, communiqué du Parti citoyen pour le renouveau. Le bureau politique national du Parti citoyen pour le renouveau, PCR, les libéraux a appris avec consternation l'attaque terroriste du bateau Tombouctou le jeudi 7 septembre 2023 dans le secteur du Gourmararous. Le Parti citoyen pour le renouveau, PCR, les libéraux condamne fermement cette attaque barbare et lâche. Présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés militaires et civils. Réaffirme son soutien indéfectible aux FAMA et les encourage à redoubler d'efforts pour mener à bien la lutte contre la barbarie et l'obscurantisme sur tout le territoire national. En ma qualité du vice-président du réseau libéral africain chargé de l'Afrique de l'Ouest à travers le présent communiqué, je souhaite transmettre aux autorités de la transition du Mali, aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple malien durement éprouvé par ce drame, les messages de soutien et de condoléances des partis frères membres du réseau libéral africain, à savoir Alliance pour la République, APR, du président Macky Sall du Sénégal, RHDP de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Dramane Ouattara, ADFR, DA de M. Gilbert Noël Ouédraogo du Burkina Faso, Union pour le Progrès et le Changement, UPC, de Zéphirin Diabré du Burkina Faso, Union des Forces démocratiques de Guinée, de Seloun d'Alain Diallo, de la Guinée, fait à Bamako le 10 septembre 2023 par Ousmane Ben Fana Traoré, président du Parti citoyen pour le renouveau PCR et vice-président du réseau libéral africain chargé de l'Afrique de l'Ouest. Le 11 septembre est la journée internationale de lutte contre le terrorisme. Il reste quand même compliqué de mener cette lutte dans notre pays, confronté depuis plus de 10 ans aux exactions des groupes extrémistes et l'espère du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel, Dr Ali Toungara, nous souligne ici que l'armée ne représente que 30% des moyens de lutte contre le terrorisme. Suivant. Notre pays subit une crise sans précédent depuis plusieurs années, notamment en raison de l'insécurité. La situation a atteint un point critique. Malgré l'acquisition de nouveaux équipements et la montée en puissance des forces armées et de sécurité. Pourquoi la situation sécuritaire continue de se dégrader? Docteur Ali Toungara, expert en sécurité et stratégie dans la région du Sahel, donne des explications. Les facteurs qui sous-tendent cette insécurité liée au terrorisme au Mali sont pluriels, sont contextuels, voire sont même géographiques. D'où la nécessité de procéder par une sorte de cartographie en termes d'évaluation de la menace et des facteurs qui la sous-tendent. De cette cartographie, on peut arriver à des réponses très appropriées, à des réponses adaptées et par ricochet.
à des réponses pérennes. Faut-il dialoguer avec les terroristes pour sortir de la crise comme des Maliens réclament? L'expert donne son avis. Là également, l'offre de dialogue est une étape indispensable. Mais sauf qu'on ne peut pas proposer la même offre de dialogue, malheureusement, pour toutes les zones aujourd'hui investies par le terrorisme. Si l'on veut chiffrer en termes de nature de réponse contre le terrorisme, la place et le rôle que jouerait ou qu'occuperait l'armée dépasserait difficilement le 20 à 30%. Donc les 70% du rôle reviendraient à la justice sociale. Enfin, Dr Tunkara propose aussi et surtout des pistes de solutions. Il faut préparer les communautés à la base, de même également le reste des populations maliennes pour le longtemps. C'est le seul gage pour l'élite politique militaire aujourd'hui au pouvoir de conserver légitimité, le peu de légitimité qu'elle a aujourd'hui vis-à-vis des communautés. Cependant, quand sera-t-il mis fin à cette barbarie humaine? En attendant la réponse à cette question, il faut l'effort de tous pour y faire face. La commission d'organisation du 22 septembre de la Commune 6 a tenu ce samedi 9 septembre 2023 une réunion de préparation. Il était question d'échanger sur les stratégies à adopter et de mettre en place des sous-commissions pour la bonne organisation du 22 septembre dans la Commune. Compte rendu, Memna Ouedraogo, Biramazie Kone. Dans 11 jours, le Mali va célébrer le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette année, le gouvernement a décidé de décentraliser la célébration de l'événement. En Commune 6, les préparatifs vont bon train selon la commission d'organisation qui s'est réunie ce samedi dans les locaux de la mairie. Ce matin, c'était la 12e réunion qui portait, n'est-ce pas, sur l'organisation matérielle. Et pour ce faire, nous avions mis, n'est-ce pas, en place 5 sous-commissions de travail, la sous-commission finance, la sous-commission santé, la sous-commission sécurité, la sous-commission affaires sociales et la sous-commission manifestation. Donc ces sous-commissions vont travailler pour dégager un budget et c'est à l'issue de ce travail que vraiment nous allons commencer le travail proprement dit. À cet effet, la commission lance un appel à tous les quartiers de la commune pour une meilleure participation à cette commémoration. Le 22 septembre est une fête nationale et qui nécessite l'engouement de tout le monde. Je lance un appel solennel à tout le monde, sans exception, de sortir massivement. Et l'événement est prévu le 22 septembre. Dans l'après-midi, nous allons le faire au stade du 26 mars. Et tous les quartiers de la commune sont invités à sortir massivement pour venir participer à cette grande fête de notre pays. Au programme des festivités, une veillée des flambeaux, des animations et des distinctions honorifiques aux personnes qui œuvrent dans les domaines de l'humanitaire. Par ailleurs, l'Institut international de management a organisé le samedi dernier la cérémonie de remise officielle des diplômes aux étudiants sortants. La dite cérémonie s'est tenue en présence des parents. C'est ce que nous dit notre reporter Amadou Diarra. Par cette manifestation publique, l'Institut international de management vient de mettre sur le marché de l'emploi 40 nouveaux diplômés issus de plusieurs filières et répartis entre la licence et le master. Occasion pour le corps professoral, IIM Bamako, de présenter l'Institut. Ça fait pratiquement 15 ans que nous sommes installés au Mali. IIM est affilié à un groupe qui s'appelle Groupe BK Université, dont le promoteur est le docteur Bassabi Kabara. Il est homme politique, ancien chercheur République du Togo. Et actuellement, IIM est installé dans 9 pays de l'Afrique. Merci parce que vous avez fait un bon choix. Bon choix parce que simplement, il y a des écoles et des écoles. Et je pense que IIM, c'est une école parmi les écoles. Mais la force de cette école, c'est que cette école remplit deux critères. Un, une formation qui est calé sur le professionnalisme, un très bon programme, et deux, les choix
des meilleurs animateurs, que sont les professeurs. À l'administrateur général délégué des IIM de prodiguer des conseils au niveau diplômé. Nous avons eu le diplôme pour qu'on vous révalorise. Tout se passe en signe de respect. En signe de respect, en respectant la hiérarchie, en respectant les professeurs, en respectant vos parents. Espérons que ces conseils ne soient pas tombés dans les oreilles des sourds. Ce diplôme est une clé qui nous permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et quand nous ouvrons les portes, nous devons les ouvrir avec respect, professionnalisme et engagement. Lancement de la campagne de reboisement dans la région de Nara, couplée à une session de formation et de sensibilisation des jeunes sur l'importance de la gomme arabica. Une initiative de l'ONG ADECNA en partenariat avec la Grande Muraille Verte sous le haut parrainage du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Nara, le docteur colonel-major Amara Doumouya, représentant le ministre de l'Environnement. Modibo Keïta depuis Nara nous en parle. Dans le cadre de la lutte contre la désertification, l'Association pour le développement de la région de Nara, ADECNA, et son partenaire, Grande Muraille Verte, ont lancé la troisième édition de la campagne de reboisement dans la région de Nara. Une initiative hautement saluée par le gouverneur de la région, représentant le ministre de l'Environnement. C'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole cette occasion solennelle du lancement des activités de reboisement de l'ONG ADECNA à Nara, dans le souci d'apporter sa contribution à la Grande Muraille Verte du Mali en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Qu'il me soit permis, de prime abord, de m'acquitter d'une traditionnelle bienheureuse salutation à l'endroit de M. le ministre de l'Environnement, qui, malgré les efforts consentis, n'a pu être à cet événement auquel il a donné corps et âme pour sa tenue. Au colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, ressortissant de la région de Nara, infatigable soutien de tous les événements de Nara, parrain de l'événement d'aujourd'hui. Les initiateurs de l'événement, objet du présent rendez-vous, et compagnons de tous ceux qui participent du développement de la région de Nara, et nommé l'ONG ADECNA pour la très forte et symbolique occasion qu'elle nous offre au moment qui sied et au lieu indiqué pour la survie de notre écosystème à travers les reboisements. Quant au vice-président de l'ADECNA, M. Mohamed Doukoura, l'ONG ADECNA mettra tout en œuvre afin de stopper l'avancée du sable dans la région de Nara. Comme on a eu à le dire, c'est de tout mettre en œuvre pour que Nara puisse retrouver ses valeurs d'antan par rapport à la lutte contre la désertification. Comme vous le savez, il y a une opération Nara Vert vraiment qui est lancée. Et l'ONG ADECNA est en train vraiment de tout mettre en œuvre pour que chaque année, puisse avoir en tout cas des séries de reboisements. Comme on l'a dit tantôt, nous sommes à notre troisième édition. Cette troisième édition, parrainée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a pris fin par une session de formation des jeunes des 11 communes sur l'importance de la gomme arabique dans la région de Nara. Sport, on en parle également dans ce journal, dans le cadre de la rencontre amicale opposant les aigles du Mali aux éléphants de la Côte d'Ivoire, prévue ce mardi 12 septembre à Abidjan. Une forte délégation des journalistes maliens a effectué le déplacement. Objectif, assurer une couverture médiatique de taille pour permettre aux Maliens de vivre pleinement ce grand rendez-vous ouest-africain. Notre reporter sportive Jilika Guindo fait partie de ceux qui sont partis par un transport en commun, suivant son trajet. C'est vers 17h05 que nous avons pris le départ à Bamako pour Abidjan. À 19h20, nous étions arrivés à Bougouni. Pour attaquer la frontière ivoirienne, nous sommes passés par Tingirila et c'est là où nous avons passé la nuit. Le dimanche 6h, après les contrôles de la police de la frontière ivoirienne, direction Goudjali, Korogo, ensuite Kadjola pour arriver à Bouaké vers 18h. À partir de Bouaké, les contrôles devenus moins fréquents, nous avons profité des beaux paysages du nord de la Côte d'Ivoire. La découverte du stade de Bouaké fut un réel plaisir pour nous tous. Que dire de la grande mosquée aussi. Aux environs de 19h, direction Abidjan, en passant par Yamoussoukro, la capitale politique, la ville de naissance du premier président du pays, Félix Oufouy-Boigné. Ici,
nous avons goûté à un plat local, le fameux soukouya, avant de prendre la route d'Abidjan. Et c'est à 23h que nous sommes arrivés dans la capitale économique ivoirienne. Le trajet était certes fatigant, mais nécessaire pour nos fidèles téléspectateurs ainsi que nos auditeurs et également pour l'amour du métier. À noter la présence d'une vingtaine de journalistes maliens pour la couverture médiatique du match de demain entre éléphants de Côte d'Ivoire et aigles du Mali, un derby ouest-africain pour l'inauguration du stade olympique Alassane Dramane Ouattara de l'Empé. Et nous restons en Côte d'Ivoire où les supporters des Aigles du Mali résidant dans ce pays et ceux qui ont effectué le déplacement se mobilisent dans le plus grand fair play pour cette rencontre amicale. Écoutons quelques-uns au micro de Djilika Guindo. Cette rencontre, on a fait beaucoup de réunions pour la sensibilisation. Tous les salles, les représentants étaient là. Donc tout le monde va mobiliser sa base. Précisément Abidjan, ça c'est mon niveau. Yamoussoukro, Daloa, San Pedro, Boaké, il y a nos représentants partout. La Côte d'Ivoire demain, je pense que ce serait dans l'histoire. Ce serait dans l'histoire. Tant plus que chaque match entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire a le dessus sur le Mali. Mais cette année, c'est le retour à l'ascenseur. Nous allons faire le contraire, vice-versa. Il est temps. Cette année, c'est l'année des aigles. C'est une joie. Et on est déterminé à gagner ce match-là. Dans la mesure où les ressortissants maliens résidents en Côte d'Ivoire, ils ont compris que ce match-là, c'est un non-match amical. Mais ce n'est pas un match amical. C'est un match, vraiment un match de taille. Surtout, c'est un pays frère. Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même pays. Nous avons des parents d'autres. Nous avons de bonnes relations. Notre grand président Assimi Goïta nous a enseigné la non-violence au stade. On l'appliquera. Et on profite de l'occasion pour saluer son ministre des Sports, Kassim Fomba, le président de la Fédération malienne de football, Bavier Touré, et les autres. Depuis que je suis là, en tout cas avec l'équipe, je suis dépassé. J'ai vu les Maliens sont déterminés. Je demande à tous les supporters maliens de se munir de notre drapeau pour aller là-bas, mais pas de violence. Nous avons tenté de mobiliser autant que se peut, de sensibiliser autant que se peut pour que cette rencontre puisse se dérouler dans de très bonnes conditions de fair play au regard des relations de fraternité, de voisinage et d'amitié qui existent entre notre pays, le Maliba et la République de Côte d'Ivoire. Pour ça, je voudrais remercier à mon nom et au nom de tous mes collègues, les supporters ivoiriens, l'ensemble, la délégation venue du Mali pour nous aider. Nous aider, oui, parce que c'est nous qui sommes au cœur alors de cette situation. Donc je considère alors que l'ensemble des membres du comité central, à savoir l'équipe de Diabaté. Le fair play. C'était un match amical et donc vraiment, vous savez que il y a beaucoup de liens hein, de tous ordres hein, qui lient le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc ça ne pourrait pas être autrement. C'est un match qu'on va jouer avec le fair play et personnellement, je crois que nos supporters sont suffisamment aguerris hein, pour ne pas céder à la provocation parce que bon, c'est quand même, je crois que nous, vraiment de ce côté-là, on est tranquille. Bonne chance donc aux aigles et bon séjour à toi, Djilika Guindo. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à toutes et à tous. On ne poursuit pas deux lièvres à la fois, proverbe africain. À bientôt.